Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va simplement jouer à Clash Royale, on va se faire un petit pack opening, après on se fera deux petites attaques et après on ouvrira le coffre à couronne pour bien terminer, c'est parti. Nous voilà devant notre petit pack opening avec quelques coffres. Bon, il n'y a pas non plus extrêmement de coffres, mais disons que c'est déjà bien. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le coffre d'argent, ce qui est déjà plutôt pas mal. Et puis après, ainsi de suite, on ira de plus en plus haut. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc 40 et quelques d'or, je crois que c'était 42, je ne me rappelle plus. Je n'ai pas vraiment regardé. J'ai tellement l'habitude maintenant de... Tu vois, bon. Donc, une cabane, ouais, pourquoi pas, ouais. Une cabane. Ah bah voilà, 7 gobelins à lance. Ça fait plaisir ça. Ça c'est cool ça. Allez, c'est parti, on continue là. Oh. Il y a moyen que ça fasse du bon là. Donc 49 d'or, ça fait plaisir. Une archer. Mais pourquoi il est radin. Il est radin. A chaque fois il me donne une archer, deux archers, allez, trois archers. Mais que dalle, que dalle. Avant il m'en donnait 7, tu vois. Mais là, que dalle. Donc 7 barbares, ça fait. Ça fait un peu plaisir. c'est pas extrême non plus. Hein. Allez, on continue. Alors, 52 d'or, ça va. Un barbare, ok, ouais. 7 flèches. Allez, les flèches, on va dire que ça fait plaisir, parce que quand même, c'est des flèches, tu vois. Les flèches, c'est un peu la base. Mais, ouais, si, ça fait plaisir. Allez, on va dire que ça fait plaisir. Mais une fois que t'as la princesse, tu vois, les flèches, ça sert déjà un peu moins. Mais bon, malgré tout, ça fait plaisir. Donc on va continuer, donc coffre gratuit. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le coffre gratuit? 61 d'or. Ouais, donc jusque là un peu normal. 7 barbares, pourquoi pas. Et une tour de l'enfer. Ok, on va par la suite, hein. Je viens d'ouvrir un coffre là. Oh, j'avais pas vu. Non, je sais pas, j'avais pas vu. Donc 2 gemmes, ça c'est cool. Tu donnes pas assez de gemmes toi, hein, espèce de radin. Ah là là, 2, oh là là. Il y a 2 mini-vers, ça fait plaisir. 2 mini-vers le défoncer. 6 Tesla. Bon, franchement, je vais vous avouer, hein, tout ce qui est bâtiment défensif, moi je suis archi nul avec. Donc ça me sert strictement à rien. Mais bon, à la limite, les canons que j'ai bien envie de tester de faire un deck avec, mais pour l'instant, hein, on laisse le canon dans son coin. Donc du coup, par rapport. Ouais, bon, allez, on va ouvrir ça. Ouais, allez, c'est parti. Ouais, c'est bon. Bon. Non, je sais pas, j'essaye de faire en sorte de me dire, tiens, il va y avoir de la carte, tu vois. Ah, ça commence bien. Horde de gargouille. Ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir, horde de gargouille. 4 petits. Parce que j'essaye de l'augmenter niveau 10, tu vois, histoire que ce soit. Tu vois, mon deck après, il deviendra super puissant, tu vois. Franchement, j'espère que. Oh là 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 là. Oh, j'ai bien fait. Gargouille, tu vois, j'ai bien fait d'attendre un petit peu, de me dire, allez, je veux de la bonne carte. Je veux de la bonne carte, allez. Oh là là, mais 12 flèches, mon gars. Mais c'est bon, ça. Allez, continue. 2 Valkyries, mon gars. Mais c'est trop génial. Mais non. Genre, juste parce que, tu vois, j'ai attendu un petit peu, tu vois, je me dis, allez, faut qu'il y ait de la bonne carte, là, tu vois, je me suis ressourcé, je me dis, allez, là, il va y avoir de la bonne carte, je le sens. Et là, bim, que des bonnes cartes, mon gars. Regarde-moi ça. Horde de gargouille, flèche, et puis après, la Valkyrie. Eh, franchement, ça fait plaisir. Tout ça là, franchement, c'est des bonnes cartes, ça. Ouais, c'est tous les meilleures cartes du jeu, ça. Non, c'est pas vrai, mais malgré tout, le deck reste quand même assez puissant. Hein. Bon, il est facilement contrable par rapport au molosse de lave. Mais alors, franchement, quand tu l'utilises bien, le mec, tu l'étales. Le mec, tu l'écrases. Rouleau compresseur. Ah, ça c'est bon ça. Ouais, donc la Valkyrie et le cochon. Moi j'aimerais bien en avoir un max, mais bon, c'est assez long à récupérer toutes ces cartes. Mais petit à petit, en demandant, en récupérant, tout ça. Enfin bon, petit à petit on y arrive. Alors, coffre à couronne, ouais, ça pas pour l'instant. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va combattre. Et puis, bon, on va se faire deux petits combats. Et puis après, on ouvrira le coffre à couronne. C'est parti. En espérant qu'on ait autant de chance que maintenant. Ce serait vraiment génial. Et c'est parti, les gars. On est contre Kaishi, le petit niveau 9. Donc, alors, petit sourire, petit
Bonne chance, voilà, donc en espérant qu'on gagne. Donc on est proche des 2000, hein, on est à 1976, si je me rappelle bien. Donc j'ai envie de te dire que tu penses bien que c'est à la loose, tu vois, je vais me faire tuer, tu vois. Parce que généralement, quand j'approche des 2000, je me fais exploser direct. Donc il faut même pas chercher à comprendre. Voilà, donc là, jusque là, hop, il envoie ses petites boules. Ok, moi j'envoie ça, et j'envoie mon petit short cochon, qu'est-ce que ça donne? Ça passe ou pas? Ouais? Ah, le petit fou. T'as vu comment ça avait fait là? Je sais pas si t'as bien regardé. Oh là 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 là, ça c'est bon ça. T'as vu comment ça avait fait le truc? Attends, on va faire ça. On va mettre les archers. Oh, le truc. Attends, que je me remémore. Voilà. Donc au niveau d'électrocution, le sort d'électrocution, t'as vu comment ça a fait? Ça a fait zip, comme ça, genre zip. T'as même pas eu le temps d'arrêter la troupe que la troupe était déjà en train de partir. Ça sert à rien maintenant le sort d'électrocution. Je le dirai jamais assez, ça ne sert plus à rien, plus à que dalle. C'est un truc de malade, ils l'ont mis pourri de chez mais pourri, un truc de ouf. C'est le sort d'électrocution, ne le prenez même plus quoi. Enfin, moi je vois plus l'utilité quoi, c'est un truc de fou hein. Oh là là, mais c'est un truc de malade, c'est un truc de fou. Oh, mais un truc de malade mental. Bon, en attendant, je suis en train de gagner, là. Ça fait plaisir, ça. Ça fait plaisir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de mettre de la gargouille. Ça donne quoi? Ça passe? Ouais, ça va. Est-ce qu'il y a moyen, quand même, de tuer tout ça? Ouais, c'est bon, nickel. Oh là là, ça fait plaisir. On va mettre un petit sort de rage, les gars, et ça va faire encore plus plaisir. Disons que ça passe. Ça va. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des archers pour défendre un max. Et puis, après, qu'est-ce qu'on va faire? je pense qu'on va continuer à envoyer du molosse de lave. Il n'y a que ça à faire, de toute façon. Après le molosse de lave, on va mettre de la horde. Le problème, c'est que lui, il va mettre ses petits trucs, là. Je sais pas comment ça s'appelle, là. Ça passe ou pas? Ça passe, ouais, ça va. Bon, je me fais quand même défoncer, quand même. Je me fais quand même un minimum défoncer, mais disons que ça passe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la Valkyrie. Ok, jusque là, ça passe, là. Il met pas de je sais pas quoi. Non? Bon, ça fait plaisir. On va peut-être faire du Valkyrie cochon, quand même. Valkyrie cochon, ça peut être vraiment pas mal. Alors, on va faire ça, voilà. On va faire quoi? On va faire... Ok, je vois son délire. Là, il est en train de m'exploser, là. Là, ça fait très mal, les gars. Je suis vraiment en train de réfléchir de ouf pour essayer de... Oh, mais attendez, ça passe, là. Mais oui, ça passe carrément. Oh, mais non, ça, c'est génial. Ah mince, la mort subite, les gars, la mort subite. Je m'en fous, il y a quand même moyen que j'y arrive. Je vais y arriver, je m'en fous. Sors de rage, s'il vous plaît. Allez. Oui, je peux y arriver, les gars. Ah non, c'est trop dur, il va m'exploser, c'est obligé, il va m'exploser, c'est pas possible autrement, il va m'exploser de ouf. Oh là là, il va m'exploser, les gars. Oh, j'ai eu. Oh, bah, j'ai eu en mode, mais vraiment, attendez, super combat, et puis bonne chance pour la suite, mon père. Oh là 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 là, je l'ai eu, le mec. Oh, t'imagines, j'aurais eu un super coffre magique, là. Oh. Ça aurait été bon. Mais bon, ça reste qu'une légende, malheureusement. Oh là, et je l'ai eu, le gars. Le gars, je l'ai eu. Moi, j'avoue que j'ai fait un peu l'enfoiré, quand même. Déjà, j'ai tiré... Enfin, j'ai envoyé du cochon pour finir une tour. Bon, ça va, c'est pas non plus une boule de feu. Mais malgré tout, ça reste quand même... ça reste assez simple, quoi. C'est un peu petit joueur, quoi. Et puis aussi, j'ai envoyé des flèches. C'est vrai que sur le coup, je me suis pas dit, tiens, bon, ça a touché la tour, et puis, ah, tu vois. Et puis là, j'ai vu qu'il restait que 100 et quelques, j'ai dit, oula, la flèche risque de détruire la tour. Enfin, peut-être pas de détruire, mais risque de changer quand même un petit peu le cours des choses, mais finalement, pas vraiment. Mais enfin, bon, malgré tout, j'ai quand même fait un petit peu, voilà, quoi. Hein. Voilà, mais bon, c'est pas très grave. Ça fait plaisir quand même. Un petit coffre d'Arène 7, voilà, un petit coffre en argent, ça fait plaisir. Et donc, du coup, moi, ce que je vais faire, je vais vous dire tout de suite, bonne deuxième attaque, c'est parti. C'est parti. Allez, on y va, ouais, on est contre un petit niveau 7, voilà, on est tous contents. Ouais, youpi, on est trop contents, c'est génial, dis donc. Bon, ce qu'on va faire, hein, on va jouer, hein. Si on perd, on s'en fout, voilà. Je suis redescendu à 1880 ou 90, un truc dans le genre.
Alors pourquoi je suis redescendu? Bah parce que j'ai dépassé les 2000. Enfin, je suis allé à 2000. Je suis allé en arène 7, hein, vous avez bien vu tout à l'heure. J'ai passé les 2000. Et puis, logiquement, comme d'habitude, hein, bien sûr, parce que j'ai toujours autant la poisse, comme d'habitude, je suis redescendu d'un coup à moins de 1900. Voilà, c'est toujours la même chose. De toute façon, ça sera toujours pareil. À chaque fois, je vais augmenter à 2000. Et à chaque fois, je vais redescendre d'un coup. Et puis après, je vais remonter à 2000. Et puis après, je vais redescendre d'un coup. Et puis après, je vais remonter à 2000. Et sauf que là, bah, je serai à niveau 9 avec des bonnes troupes. Du coup, je vais rester à 2000. Et ouais, enfin, youpi, j'aurai ma petite princesse. Enfin bon, mais en attendant, franchement, si le jour où je suis à Rennes 7, j'ai pas ma princesse, je pète un câble, parce que déjà que ça fait depuis juin, hein, c'est en fin ou début juin, ah c'est peut-être en milieu juin, on va dire en milieu juin, au moins on se trompera pas trop, en milieu juin, ah bah voilà, on gagne là, c'est bon ça. Enfin, on regagne. Enfin, on a re de la chance parce qu'on est descendu en dessous de 1900. Ça fait plaisir. Ah ouais, non, mais bon, ça m'énerve. C'est un truc de fou. Et donc, du coup, ça fait depuis milieu juin que je n'ai toujours pas eu de... Alors déjà, au début, j'ai commencé en mars, avril, mai, juin. J'ai dû commencer en avril ou mai à commencer à jouer à Clash Royale. Je n'ai pas eu... Enfin, j'ai eu une légendaire mi-juin. Donc, tu vois, déjà, j'ai mis environ 2 mois à avoir une légendaire. Ce qui est quand même plutôt beaucoup. Et puis là, ça fait plus de deux mois, que je n'ai pas eu de légendaire, que je n'ai pas re-eu de légendaire. Donc je risque d'en avoir d'ici pas très longtemps. Mais si je n'ai pas ma petite princesse, mais alors là, je pète un câble. Parce que ce jeu commence vraiment à me vénère. C'est toujours pareil. À chaque fois, on a toujours les mêmes troupes et ça met 2 ans pour... À la limite, le niveau 10, c'est vrai que j'étais content par rapport au niveau 10 des communes qui prenait que 1000 cartes, alors que pour aller au niveau 9, c'était quand même 800 cartes. Donc tu vois, il n'y a pas une trop grosse différence, et finalement ça passe. En demandant des cartes communes, ça passe. Mais là, les légendaires, là. Mais là, les légendaires, mon petit. Mais là, mais c'est... Laisse tomber, quoi. Là, c'est un truc de fou. Là, légendaire, on en gagne, mais tellement que dalle, enfin, ça devient pitoyable. C'est un truc de ouf. Moi, il y a un moment... Je sens que je vais m'énerver, tu vois. Non, mais si j'ai pas la princesse, franchement, c'est la seule chose que je veux. Juste la princesse et tout. Juste une princesse de niveau 1. Ça me va très bien. Ça ira parfaitement avec mon deck. Et puis voilà. Donc, moi, c'est tout ce que je veux. Donc, si jamais. C'est bon. T'es niveau 7 aussi. Qu'est-ce que tu fous là? C'est toi qui. Oh. Hein? T'as qu'à pas être là. Ouais, tout simplement. Bon, bah, bonne chance pour la suite. On a fait une première attaque qui était plutôt pas mal. La deuxième, bon, c'était coup de gueule. Hein. mais c'est pas très grave. Et donc, du coup, moi, je vous dis à tout de suite pour le coffre à couronne. C'est parti. Allez, c'est parti, les gars. En espérant ne pas avoir de légendaire. Je pense que je suis le premier à dire. En espérant ne pas avoir de légendaire. Si j'ai une légendaire, je crois que. À la limite, si c'est du mineur, comme je vous dis, ça passe. Mais bon, de toute façon. Ouais, légendaire, j'en ai eu une, et puis je pense que j'en aurai pas plus. Ah, 2 gemmes en plus, ça fait plaisir. En tout, j'ai eu 4 gemmes, c'est plutôt pas mal. Alors, sinon, il y a quoi d'autre? 10 chevaliers, ça fait plaisir, ça. Ça fait vraiment plaisir. 10 barbares, ça va. 27 gargouilles. Ça va, c'est bon, ça. Et là, qu'est-ce que ça donne? Attends, je clique, vous me dites pas. Attends, j'essaye d'écouter. Eh, ça a même pas cliqué, t'es sérieux. Vas-y. Et toi, tais-toi. Bah, eh, c'est un moment sérieux, les gars. On va mettre un petit peu de volume. Ok, je clique, attention. C'était pourri. Oh, attends. Gros teubé en action. C'est normal que j'ai rien entendu. Je me suis dit aussi, mais pourquoi j'ai rien entendu? J'ai oublié de mettre le son. Bon, c'est pas très grave, hein, mais bon, malgré tout, c'est chiant. Du coup, on a eu du petit géant. Ça fait plaisir. Mais bon, malgré tout, j'aurais préféré petite princesse. Hein. Non, c'est dommage. Mais bon, c'est pas Arène 7, le coffre, hein, donc qu'est-ce que je te dise. Non, mais franchement, hey, on devrait avoir une légendaire toutes les 2 semaines environ, quoi, tu vois. Non, ouais, toutes les 2 semaines. Moi, je dis minimum toutes les 2 semaines, on devrait avoir une petite légendaire. C'est la moindre des choses, quoi. Attends, là, ça fait... C'est tous les 2 mois que j'en gagne une, quoi. Tous les 2 mois. C'est un truc de ouf. Enfin bon, c'est un truc de fou. Y a plus de je sais pas combien de légendaires à gagner. Enfin bon. Je crois que le niveau maximum, il faut une 50aine de légendaires, je crois. Ouais, je crois que pour le niveau 5, il faut une 50aine de légendaires. Donc imagine un petit peu comment c'est horrible. Mais bon. Qu'est-ce que je te dise? Je peux pas vraiment changer ça. Je n'ai pas le pouvoir de changer une telle chose. Bon, en attendant, moi, je vais devoir vous laisser sur ce.
C'est dommage quoi, j'en ai marre moi, j'aimerais bien être à Rennes 7 quoi. Mais à chaque fois j'ai la poisse là, à chaque fois je redescends pour rien. Chaque fois je tombe sur des gars qui ont des bons trucs pour me contrer déjà. Et à chaque fois les gens, eh ben, ils envoient au dernier moment, et puis ils arrivent à toucher ma tour, on ne sait comment. Voilà, ça s'appelle la poisse, voilà, c'est manque de chance. Ah, c'est pas très grave. Moi je vais vous laisser sur ce, je vais vous dire à une prochaine vidéo, je vais vous dire ciao, et puis n'oubliez pas, restez cool. Un jour, je serai à Rennes 7, un jour.